Bonsoir, ce soir je voudrais vous proposer un petit tapas facile à réaliser. Donc il s'agit en fait de petites crêpes d'omelette roulées au jambon et au comté et aux fines herbes. Donc on pourra les présenter avec des petites brochettes en forme de petits sushis en fait. Voilà. Donc pour commencer cette recette, très simple et très rapide, 3 œufs. Oui, donc 3 œufs en fait, un morceau de comté ou du gruyère râpé si vous avez que ça, du beurre, un peu de crème fraîche, 2 tranches de jambon, des herbes fraîches, donc moi j'ai pris de la ciboulette, et éventuellement des graines de sésame ou ici des petites graines de pavot pour rouler les sushis tout à l'heure dedans. Voilà, alors on casse les 3 œufs. Voilà. On va les battre en fait en omelette avec, il vous faudra une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà. Et donc pendant qu'on bat les œufs, on va commencer à faire chauffer la poêle, parce qu'il faut qu'elle soit bien chaude. Voilà, donc une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Hop. On va saler, poivrer. Donc on met un peu de poivre, un peu de sel. Voilà, on va ciseler un petit peu d'herbes fraîches. Donc moi je prends de la ciboulette, je mets du persil, comme vous aimez. Et donc ça, on le met dans nos œufs. Voilà, et on bat le tout énergiquement. Donc cette préparation va nous servir à faire 2 petites omelettes. Bien fine, comme des crêpes en fait. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on répartit. Donc, on prend un peu de beurre. Qu'on fait chauffer donc dans la poêle. Il n'y a pas beaucoup. Donc un petit morceau de beurre avec donc la moitié de la préparation. Voilà, on va faire vraiment une omelette très fine. On répartit bien l'omelette de partout. Voilà, donc au bout de 2 petites minutes, 3 minutes, vous voyez les bords sont cuits, donc l'intérieur est encore un petit peu gélatiné, mais c'est pas grave. On étale cette petite crêpe sur notre planche et on passe à la suivante. Donc je vais cuire la deuxième petite crêpe. Voilà. Donc pour l'instant, en fait, ça va aller très vite ici. Notre crêpe est chaude. On va râper donc un bon morceau de comté dessus qui va immédiatement fondre. Voilà, généreusement et bien de partout. Et ensuite, on va disposer notre tranche de jambon. Voilà. Hop. Donc, on dispose une tranche de jambon sur l'omelette que l'on roule. Donc, tout simplement, comme si c'était une crêpe. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, on va mettre des petites graines de pavot, de sésame, ce que vous voulez, au-dessus. Avec un couteau, vous allez tronçonner en fait cette petite crêpe
Voilà, des petits tronçons comme pour faire des sushis. Et c'est comme ça qu'on va présenter en fait nos petits amuse-bouches. Alors vous avez la possibilité, si ça tient pas bien, d'utiliser des petits pics. Donc éventuellement vous pouvez utiliser un pic pour maintenir le tapas. Mais honnêtement, ça tient très bien. Voilà. Donc je vais préparer tout simplement une assiette ici. Voilà, avec les petites omelettes. Vous pouvez les disposer comme ça. Enfin, des petits pics, ce sera pratique pour manger. Hein. Et voilà. On se retrouve tout à l'heure pour voilà. Le résultat. Donc il y en a déjà quelques-uns qui ont disparu, vous remarquerez. Mais c'est très mignon, ça présente très bien. Avec des petits pics, c'est très facile à manger. Et voilà, donc c'est parfait pour une petite entrée ou un petit apéritif ou des tapas. Bon appétit.